Pourquoi j'ai fait ce métier? Ben, effectivement, pour avoir déjà une relation avec la personne et pouvoir l'aider à viser une autonomie maximale et un retour à sa vie antérieure ou le plus proche possible malgré le handicap et avec un handicap plus ou moins prononcé. Le plat à hauteur intermédiaire, comment vous procédez? Oui. C'est trop lourd, bah je vide. Voilà, en plusieurs fois. Très bien. Voilà, vous n'avez pas besoin d'appui. Non, ça va. D'accord. Autrement, le mouvement de bascule, vous le faites aussi dans ces cas-là. Alors, les qualités pour être ergothérapeute, je pense que c'est effectivement souhaiter et apprécier la relation à la personne, quel que soit son âge et sa situation, avoir l'esprit pratique. Je pense qu'il faut pouvoir rebondir un petit peu à toute situation qui sont personnalisées à chaque personne et à chaque handicap. Pareil, Aussi, ouais. eh ben, faites comme vous avez le repère, comme on l'avait appris. Je prends comme ça. Voilà, attention à vous. Donc la pince, vous l'avez toujours à la maison, tout le temps. Tout le temps. Je m'en suis acheté une, c'est vrai que c'est. On peut être amené à travailler avec des enfants, des adultes, des personnes âgées, avec des handicaps très très variés, physiques ou psychologiques, vraiment des diversités qui sont en même temps très riches, quoi. C'est vraiment repersonnaliser suivant le besoin de chacun et trouver les techniques ou l'adaptation ou la situation qui va lui permettre de faire face à sa difficulté momentanée ou définitive. Vraiment rebondir un peu pour chaque situation qui peut être très variée. Pour moi, c'était important de pouvoir travailler en équipe. Je n'aurais pas souhaité, dans ma démarche professionnelle, rester isolée. C'est souvent déjà un échange avec les autres ergothérapeutes, mais aussi un échange avec les autres professionnels, kinésithérapeutes. Au niveau du centre, on peut profiter aussi au niveau infirmière, aide-soignant, médecin, professeur de sport. C'est vraiment pluridisciplinaire. Et là, c'est vraiment un échange très riche autour du patient.